Nous invitons pour capable ouvrir Bibou ensemble avec nous dans Deutéronome, le chapitre 2, le verset 23 et verset 24. Deutéronome, le chapitre 2, le verset 23 et verset 24. Deutéronome, chapitre 2, le verset 23 et verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous les ciels. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Parole du Seigneur. Sujet nous a partagé ensemble avec vous dans le moment ça, il dit à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Nous t'a dit en créole, nous n'en goumè, nous n'en bataille. Là nous parler de guerre, guerre qui ça yon guerre liée, c'est yon conflit. C'est une lutte armée et organisée entre deux États ou des peuples. Les que peuple yo pas entendre yo sur un point, parfois yo fait la guerre. Et nous-mêmes qui vivons dans temps ça, nous qui bien comprendre parce que non seulement et nous tendez nous lit et gen même moun qui t'a participé dans les grandes guerres qui t'a gagné, les deux guerres mondiales qui t'a gagné, une qui t'a commencé en 1914 pour arriver en 1918, et relé la grande guerre. Et guerre ça, il t'a porté aller en pile vie humaine, en pile monde, en pile déficit est fait. Et aussi, tu as gagné la deuxième guerre là qui a commencé en 1939 pour te finir en 1945. Eh bien, deux guerres, ça y est, nous sommes capables de comprendre qui ça qui arrivait, qui est capable et fait guerre, ça y est, déclencher. Et dans la deuxième guerre mondiale, tu as gagné. Après la première guerre là, tu as gagné et trois pays qui pas senti yo te satisfait les yo te vinn faire société des nations. Tu as gagné les Allemands, tu as gagné et tu gagné Italie et tu as gagné le Japon. Yo pas satisfait et comme ça nous joindre Yo te allié ensemble, yo te mette yo ensemble. Et c'est ça que fait autant de yorele les alliés. Et te gagné l'autre groupe qui te gagné la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et autres. Yo te gagné l'autre groupe allié, te gagné l'autre groupe lui-même, yo te rede les pays non alliés. Ça veut dire yo même, soit yo pas pour yon, yo pas pour l'autre. Eh bien, nous capables de comprendre ça que rele qui guerre là. Et nous-mêmes dans l'évangile, nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes l'église, nous n'ayons guerre vie chrétienne non, c'est une vie de combat, de lutte. Côté te gon grande guerre qui t'est éclatée entre Satan et Dieu. Côté Satan lui-même lui décidé pour le mettre en échec tout plan bon Dieu. Eh bien, nous jouons quand elle t'a choisi un peuple à travers Abraham
il choisit le peuple Israël, bien, il te baille yon territoire. Et côté, il te fait sortir en Égypte, traverser la mer Rouge, puis arriver dans le désert là. Et là, yon arrive pour yon entrer dans l'héritage, yon dans la destinée. Yon. Il y a des pays qui campaient en face. Yon. Et bon Dieu te mandé, Moïse, il te dit que c'est pour faire la guerre. Levez-vous, partez à la conquête de votre territoire, à la conquête de destinée pour faire la guerre. Et il te dit que l'avec yon, parce que c'est lui qui te fait plan, c'est lui qui te fait promesse là pour yon, c'est lui qui te prépare Canaan pour yon, et tout obstacle qui campe sur yon, c'est pour yon faire la guerre. Bien, jodia, nous-mêmes, l'Église, nous devons connaître la vie chrétienne, non? C'est une vie de combat, mais un combat de la foi. Et pendant dirigeante là, où elle tape diriger des prières à l'égard de nos enfants qui étaient dans l'église et qu'on y a qui bien loin. Et pasteur Noyer t'a fait prière aussi pour eux-mêmes. Non, parole que bon Dieu lui voyait pour eux et pendant tout mois ça, moi gagné on était capable dire une motivation depuis moi prend la parole qui dit c'est pour nous faire la guerre. La guerre spirituelle. Et bon Dieu parlait aucun chrétien pour venir comme si pour connaître. C'est dans un cruise ou yé, c'est dans yon, ou comprendre, c'est dans yon touriste ou yé, ou c'est yon soldat, ou c'est yon guerrier, ou doit faire la guerre. Parce que l'ennemi a déclaré nous la guerre, et nous te parlé de deuxième guerre mondiale, les que Hitler, le 1er septembre 1939, il débarquait en Pologne. Et là, il débarquait en Pologne, dans le plan Lyon. Il dit, n'a pas attaqué, n'a pas fait invasion, hein? N'a pas entré. Vous comprenez? Au point de vue maritime, ça veut dire, il prend la mer, il a gagné l'armée de terre, et puis il a gagné l'armée de l'air, et puis il a fait, il a envahi la Pologne. Et dans le plan Lyon, il a dit que, non seulement n'a pas envahi, mais n'a fait nan yon titan qui très court. Ça veut dire, pour yon pas même getan relé, pour yon pas même getan à chercher côté zam yoye. Et vraiment, c'est comme ça, il te fait. Mais l'elfin fait, qu'on y a les autres pays d'alliés. Yo mette ensemble pour y aller libérer la Pologne. Et bien, mes bien-aimés, moi-même ensemble avec vous, nous pas capables de rester chita pour nous quitter Satan, pour tout ça pour nous, et puis pour nous rester à observer, à garder. Et nous sentir gagner un relâchement pour nous capables. C'est comme si m'tap gade nan mwen tap gade côté te genyen temps qui saute passé a Saint-Domingue n'ap gade un paquet de bœuf courant pote aller tout moun rete croisé bras yo y ap gade bœuf yo qui pralé. Et bien là nous gade dans l'église c'est comme si tout ça qui est essentiel pour nous-mêmes, ennemi entrer dans le canon pour le prayon, et puis c'est comme si nous croisions les bras, nous avons quitté le fait des gars. Maintenant,
Bon Dieu, parlez avec ou même captant de me soit dans la maison la caillou, soit dans l'église là. C'est pour nous bataille. C'est pour nous lever comme des vaillants. Même gens avec les héros de la foi. Les nous lisons dans Hébreu, le chapitre 11, le verset 32. Il dit héros saillot. Parler des Gédéon, des Balak, vous comprenez, il parlait de Samson, côté que les ennemis li envahi, li prend sac pour yo, ou bien li mette yo en otage, yo levé pour yo bataille, pour yo prendre héritage yo. Moi-même ensemble avec vous, dans le moment ça, qui fait partie de l'église là, eh bien, nous devons lever à la conquête pour nous chercher ça pour nous. Pour nous chercher ça pour nous, parce que l'ennemi lui-même n'est pas joué. Et nous ne pas capables de croiser les bras pour quitter la fête des gars. Nous devons utiliser les moyens qui gagner pour nous utiliser réserve nous ressources nous pour nous aller à la conquête même Jean bon Dieu te dit Moïse levez partez faites la guerre faites la guerre maintenant vous êtes cassé pour nous faire la guerre guerre pas nous c'est pas une guerre physique mais son guerre spirituelle. Et les wap fè la guerre, ou doit connaître à qui est la bataille. Nous devons identifier ennemi. Et grâce soit rendue à Dieu, nous devons identifier ennemi nous. Et même Jean, l'apôtre Paul lui dit dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 12 là, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous identifier ennemis, non. Et non seulement nous identifier, mais nous connaître qui stratégie que les gagnants. Parce que pour capable conquérir, pour capable mettre l'armée en déroute, pour batailler avec lui, il faut identifier, non seulement pour identifier, mais il faut qu'on gagne un service de renseignement pour capable de connaître ses ressources, pour connaître avec qui armes, pour connaître qui résistance que lui gagne, leur aller frapper, leur aller attaquer, s'il prend un bagage pour aller prendre la mail, parce que Jésus-Christ est dit disciple, pas gagner un seul monde qui est capable d'entrer dans la maison d'un homme qui est fort. D'après Marc, le chapitre 3, verset 27, il dit que, eh bien, un homme fort, pour entrer, pour prendre ça qui l'a caillé, il faut marrer d'abord. Et pour nous marrer les puissances démoniaques que nous sommes cités là, il faut que nous soyons capables de connaître non seulement la force, pour nous connaître avec qui âme pour nous attaquer. Nous connaissons que pour nous attaquer, il faut que nous connaissions des selles. Parce que là où on aller dans la bataille avec un ennemi, ou pas connaître avec qui âme, l'a utilisé, c'est avantage ou bali sous même. Et c'est ça que fait dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Il dit que des chrétiens, l'apôtre Paul, il t'a dit, chrétiens, des chrétiens, le chapitre 2, verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, pas l'avantage sur nous-mêmes, car nous n'ignorons pas ses desseins, parce que l'ignorer des desseins, l'ignorer capacité,
l'on ignore plan qu'on y a ou même ou bal avantage sou. Et c'est ça qui fait que le Satan lui-même l'étape goumé contre l'homme, l'étape goumé, et bien premier ça qu'elle te fait. Puis gros âme Satan utiliser ses ruses. Et nous, l'apôtre Paul aussi, il dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, il dit toutefois de même que les serpents séduisent Ève par ruse. Je pense que vos pensées ne se corrompent à ne pas détournant de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire que Satan l'utilise par ruse. Qui Jean? Parfois, li a travail ou pas connaît si la travail. Côté li même la chercher pour le finir ensemble avec nous, eh bien, gagner des guerres fratricides. Là, nous parler guerre fratricide, c'est guerre entre frères et frères. Et c'est ça que fait le monde qui lit dans l'histoire du pays d'Haïti. Pi gros problème Haïti te rencontré chaque fois li rivé. Pour le mener en guerre, pour le prendre conquête, ou reprendre tout territoire Saint-Domingue pour lui, et puis pendant le président, lui-même avec l'armée, lui, dans la frontière, la bataille avec les Dominicains, et puis quand il y a là, il est allé pour le coup d'État. Et puis il retournait. Et bien, puis gros problème qui gagnait, c'est que moi-même, ensemble avec dans la famille, pendant pour nous mettre ensemble, pour nous prier, pour nous liguer ensemble, pour nous conjuguer la foi nous ensemble, pour nous capables de prendre ça qui pour nous, eh bien, nous commençons à goûter à clot. Et pas gagner 50% famille qui est stable. Ça veut dire, même les gens parfois ou famille là, ça veut dire, c'est photocopie avec là. C'est apparence qu'il a. Mais pas gagner unité vraie, pas gagner pour nous marier ensemble, pour nous faire un allié, pour nous allier nous ensemble, pour nous prendre ça, Satan prend pour nous. Mais parfois, nous avons goûter pour les choses éphémères, les petits détails. Vous comprenez, nous ne pouvons pas entendre avec l'autre. Je dis à moi-même ensemble avec l'Église, nous ne pouvons pas faire guerre fratricide, nous ne pouvons pas faire guerre entre frères et frères. Nous sommes capables toujours de faire quelques diversités, de diversité des dons, capables de faire quelques problèmes entre nous. Mais nous devons connaître que Satan est ligué. Tous ses alliés, toutes ces dominations que nous énumérons dans Éphésiens 6 et le verset 12, ils sont tous à goûter contre l'Église là. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Les disciples, ils sont à goûter entre eux-mêmes pour qu'on qui est ce qui est grand, qui est ce qui est fort dans le royaume. Et puis dans Luc 22, le verset 31, eh bien, Jésus-Christ a dit, Pierre, l'abdi m'ta remé on soulier verset ça. Luc 22. Le verset 31-32. Jésus-Christ dit Pierre. Satan, adversaire, ennemi, oui. Pendant que messieurs, yo sont à faire discussion, qui est-ce qui a plus grand dans le royaume là? Et puis, Jésus-Christ lui-même lui voit plus loin. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Ça veut dire, Satan, qui ça a besoin, il mettait panique. C'est plan, oui, Satan. Là où elle vient, il mettait panique dans le temps. Il virait les bagailles. Il y a des gens qui ont l'angaille cordé. Il fait yon ap tire sous l'autre. Yon ap connaissé le pi bon. Yon ap connaissé le pi spirituel que l'autre. Yon ap connaissé le plus, ou reprendre le plus formation académique. Casser l'autre.
Et puis, comme ça, vous comprenez, les nous ensemble, nous pas ensemble, tout bon vrai, nous pas marrer ensemble, mais tandis que Satan lui-même, lui ligue ensemble, lui marrer ensemble pour le finir avec nous. J'étais panique. Et ça fait que moi-même ensemble avec vous, faut que nous connaissions plan ennemi, stratégie pour lui capable de détruire nous et pour lui faire nous pas jouir destiné nous. Parce que l'objectif, c'est pour pas jamais en paix. Pas jamais en paix. Comme si, ou après, pendant une famille qui est arrivée dans une limite pour yon t'amener tête ensemble, pour yon vivre ti reste vie que yon gagne, yon a mangé l'autre. Pas de la prière ensemble. Comment nous pral pran? Ça y est, nous pral pour nous. Levé, marie nous ensemble. Pour nous faire la guerre. Il faut nous faire la guerre. Ou pas mener la guerre pour contre. L'armée française était une grande armée. Mais ça ne pas veut dire parce que Hitler était décidé c'est pour conquérir toute Europe là. En 1941, il débarquait la Russie. Et il est bien équipé. Jodia, ennemi noir, li bien équipé. Li besoin de familles solides. Nous pas ka quitter. Petite nous yo, nous pas ka quitter héritage nous. Que bon Dieu ban nous pour nous croiser bras nous pour nous quitter. Yo pral aller koué bœuf. Nous té wè nan de l'eau Saint-Domingue yo et puis nous croiser bras nous n'a garder les dégâts. Puisque nous sommes armés, nous avons un chef. Nous avons un chef et nous avons un chef solide. Nous avons un chef solide et qui luttait avec tous ces démons. Il luttait avec eux. Il mettait eux en déroute déjà. Il mettait eux en déroute. Il mettait eux à terre. Moi-même, ensemble avec vous, nous devons garder, fixer les gars, nous tendre ça, le dit nous faire. Parce que plus grand moyen que Liban nous, pour nous capables de lutter contre l'ennemi, plus grand moyen Liban nous pour nous lutter contre l'ennemi, c'est que Liban nous, ils ont parti dans la nature divine. Liban nous ont parti dans la nature divine. Là nous lit dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 4. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables vraiment de goûter ensemble avec les dominations parce qu'ils sont invisibles. Et tandis que les réactions sont faites, ils ont un impact sur nous visibles. Et c'est ça que fait l'orgueil. Connaissance pour qu'on ait qui gens pour lutter avec lui, qu'on y a ou capable de mener une bataille là. Si vous voulez goûter, si vous n'avez pas un soldat, parce que y a des soldats qui sont prisonniers de l'ennemi. L'ennemi en gâtant, mettez-le dans le campal. Il mettez-le dans le campal, il est en fait prisonnier. Mais nous-mêmes, si ça n'est pas qu'on prisonnier, nous ne sommes pas capables de garder. Là où ils prennent un soldat et allié, ils font un moyen pour libérer. Ça veut dire que mes bien-aimés, si nous pas conjugués pour nous, pour nous mettre nous dans la guerre, cette guerre spirituelle, côté que y a un chant qui dit debout pour la sainte guerre. Le mal est grand encore. Plus d'ennemis, plus de frères, si c'est chemin des morts. Et puis il est arrivé dans le refrain, il dit, nos âmes sont la prière, l'amour, persévérance. Pendant nous avons utilisé la prière, nous avons utilisé l'amour pardonne,
Même les mêmes défauts, on bagaille si n'a prié ensemble, forme de courage pour me pardonner parce que prier a doué gagner force. Et pour gagner force, c'est les gens qui marrent ensemble tout bon. Et nous toujours dit ça mes bien-aimés. Et les tristes pour nous dire majorité fois ouais, moun qui le fait dans l'église y aller, c'est la caille problème dans sorti. M'a ka prier avant frère Gédéon, m'la et puis ouais m'a baï accolade, nous na sept sœurs ensemble et puis ti moun a observé les m'rivé m'a parlé au mal. Ou pas capable de vivre dans la caille et puis vous dit, mon Utica c'est hypocrite. Ou dit, vous pas venir dans la hypocrite ça. Allez dans le monde côté de bon monde. Ça veut dire, moi-même ensemble avec vous, faut que nous amendions, voyons. Ça veut dire, faut nous corriger pendant que nous cherchons pour nous prendre. Ça qui est mis en propre pour nous, mais nous-mêmes, il faut que nous ayons faute nous pour nous demander bon Dieu pardon. Dis bon Dieu, fais-nous grâce parce que le problème c'est dans moi. Et gros bagaille m'dou là, oui. Gros bagaille, oui. Nous venons presser ça ensemble. L'arrivée dans la présence, si mon nom l'étendu dit que. Oh, mon Dieu, il n'y a pas d'hypocrite. Le groupe d'âmes dans le balade de l'hypocrite. Vous comprenez tout mon hypocrite. Eh bien, quand on dit, il n'y a pas de hypocrite. Hypocrite. Et puis, Satan lui-même, qui s'en connaît, la bat bravo. La bat bravo parce que c'est lui qui travaille, oui. Mais putain, puisqu'on n'a pas de connaissance pour comprendre le plan du diable, ça fait moi-même ensemble avec vous. Nous devons lever. Chef noir, li ban nou pati nan li même. De Pierre, le chapitre 4. De Pierre, le chapitre 1er, le verset 4. Li dit que De Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Li dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire là, l'apôtre Pierre lui dit que, moi-même, ensemble, avoir par position nous dans Christ, par position nous dans Christ, nous capables de camper en face ennemi. Parce que l'ennemi a connu autorité chef noir. Et chef noir, ben nous avons possibilité pour partager la nature divine avec nous. Parce que les Jésus te levé sorti dans la mort. Dans Ephésiens 1er, verset 20 et verset 21, l'apôtre Paul, il souligne, il dit que en le ressuscitant des morts, eh bien, pendant Jésus-Christ, il ressuscité des morts. Kounia, li vin gagner une autorité que bon Dieu bali. Autorité ça permet que li sous tête, vous comprenez dans verset, li chita à la droite de son Père dans les lieux célestes. Et puis dans verset 21, il dit au-dessus. Li sous tête toute domination. Li sous tête toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus sous tête, yo. Ça veut dire si je partage la nature divine avec Jésus-Christ, si Jésus-Christ dans les lieux célestes, guide des démons dans les lieux célestes, mais Jésus-Christ, moi en position pendant li à la droite papa là moi même moi avec Christ parce qu'elle partageait nature divine avec moi et qu'on y a sous tête tout diable
Et diable yo reconnaît autorité les hommes, les femmes de Dieu, moun kap marché tout bois avec Jésus-Christ. Lorsque connaissant de la parole de Dieu, Satan kon ki sa kon fè? Li montre que ou coupable, ou péché, ou te fè un bagay ki mal, li di ou pa ka camper devant. Kon ya ou même ki gen connaissance, ou di oui, n'te fè ça vrai oui, mais nous avons un avocat auprès du Père. Il dit si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1er verset 9. Oui, il dit nous pas péché vrai oui, mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire si mon bagay avec papa moi fait et ça fait ouais David te dit j'ai péché contre toi seul en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche de ton jugement. Papa capable calme mais Satan pas grand rien pour voir ça parce que depuis me font bagaille m'a régler ça papa ouvert pour camper devant diable là pendant que vous comprenez pas qui c'est ou la montre aux faiblesses ou mais pour camper comme un bon soldat pas quitter Satan désarmé au Paris parce qu'on partage nature divine non c'est justice mon Dieu ou juste par rapport à Jésus-Christ. Et qu'on y a l'or vin juste par rapport à Jésus-Christ, ou qu'on s'en fait de ou, li vin fait que, ou ap goumé avec les visibles, mais ou même, ou vin, ou ap goumé avec les invisibles et les visibles, mais bataille invisible la, puis dit que bataille visible la. Bien, il y a des batailles ou là dans, li gen ou origine invisible. Mais qui s'en fait de nous? Lè nous dans Jésus-Christ, lè nous ce sont des soldats de Jésus-Christ. N'a bataille comme un bon soldat. Même Jean l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul lui dit à Timothée, non, et Timothée, le chapitre 6, le verset 12, il dit combat le bon combat de la foi. Pour nous combattre le bon combat de la foi, dans 2 Timothée 2, à partir de verset 3, et bien il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis dans verset 4 là, il dit tout soldat qui besoin bataille, qui besoin plaire à son maître, faut qu'il d'accord. Vous comprenez? Faut qu'il soit d'accord pour débarrasser. Mon Dieu béni. Faut que nous dépouillions. Mais des bagailles, si vous chargez trop avec le monde, avec les choses de ce monde, vous ne pouvez pas camper en face de nous, non? Mon Dieu, ben nous pouvons nous faire nous invincibles, oui. Nous invincibles. Invincible. Et il rapporte plus grand dans la deuxième guerre mondiale là, plus grand échec la grande armée française te prend, c'est que la pas avancé sur l'Italie. La pas avancé sur l'Italie parce qu'on connaît l'Italie, c'était allié les Allemands. La pas avancé sur l'Italie, qu'on y a gagné une température qui bilo zéro. Et puis les soldats yo char que yo gagne yo, yo pa ka monter gros neige yo, ou comprendre mauvais temps, vent de neige, ou comprendre soldat yo ouais yo pa ka avancer. Mais tandis que là on en bataille, guider mes bien-aimés, et ça que fait il dit si l'ennemi fait rage, nous devons redoubler d'efforts. Guider en face des difficultés au campé, c'est pas bac pour faire, c'est pas chita pour chita, c'est pas crier pour crier, c'est pas relayer pour relayer, c'est redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts. En dernier, on reprend près dernier effort, dernier courage pour avancer. L'ennemi a mis turbulence. Et ça fait, là où on a avion, les avions ont traversé mauvais pas. Et puis, il y a turbulence. Et puis, le capitaine a dit, Marais, c'est-il. Je dis à l'église, doit Marais, c'est-il. Vous êtes capable d'avancer. Ce n'est pas bac pour nous faire. Ce n'est pas peur pour nous faire. C'est pour nous avancer. Eh bien, qu'on y a qui sont connus, qui gagnent, qui ça y a fait. Eh bien, les yo wè, yo pa ka avanse, koun ya ki sa yo fè. Ennemi an tan yon embuscade pou yo. Parce que embuscade la li bon nan bataille. Gede pa fwa mè di bè bien aimé. Gede avantage ou o jwè nou konnen. Son avantage liye comme chrétien, son embuscade, oui.
Et ça fait, même le, ou à chercher, il y a des sorts où il faut refuser. Et pas tout ça qui porte opportunité. Ce n'est pas toute opportunité qui vient de Dieu, non. Il faut garder pour être s'il en accord avec la Bible. Et puis, qui ça y fait? Il n'y a pas avancer. Il dit, après tout, mais ennemi entend, il y a embuscade. Pendant qu'il prend aller dans la route là, ennemi a mis un paquet de l'eau. Qu'on est les Européens, il met l'eau en pile, oui. Yo remen l'eau, oui. Nous pas besoin de faire histoire, mais yo remen l'eau en pile. Les assez ça faut yo aller dans tout pays de monde, tout pays tiers mondiaux. On comprend yo t'a chercher l'eau. Christophe Colomb y a cherché l'eau. Eh bien, kounya qui sont connait yo t'ai en pile réserve l'eau. Eh bien, qui sont connait et Italie, on connaît côté t'ai en pile l'eau. Dis kounya, oui, c'est lui-même qui chef l'eau dans le monde. Eh bien, on connaît yo jeté l'eau sur tout route là. Qu'on y a tentation hein, pour un soldat français, yo. Et puis, il arrive, il n'a pas qu'à avancer, il n'a pas qu'à avancer, qu'on y a, il a quitté, il a un chat, il a quitté, et puis, soldat français commence à la guerre, il a été, et puis, plein, on connaît, rechange qui est sous soldat, il a pile poche, vous comprenez, il a tombé plein poche, il a loup! Ak l'or, y a marché, loup, zam yo lagé, zam yo kite deye, yo lagé zam nan, yo ramasse l'or, ramasse l'or. Et puis kounya, l'armée italienne nan même, li passe le ramasse zam, et puis kounya, li bondi sou yo, c'était la plus grande échec de l'armée française. Ça veut dire, jodi a, pendant un dernier moment ça, pendant un moment de panique ça, pendant un moment de confinement ça, Satan a désarmé nous pour charger nous avec bagaille le monde. Nous devons être intelligents. De quelque bagaille pour nous connaître ces voix diables là. Il y a des gens qui désarment ça, ils ont fait pour Jésus, ils n'ont pas fait encore. Il n'y a pas soutenu les guerres de l'éternel encore. Bon, je dis, tout ça va faire pour mon Dieu. C'est guerre de l'éternel qui va soutenir. Les arrivées m'ont terminé. Mais dans 1 Samuel 25, le verset 28, regardez, Abigail te dit à David, mais ça m'a porté baou pendant que Nabal lui-même, il n'a pas soutenu David, mais Abigail qui a eu connaissance, il dit, ou c'est un soldat qui a soutenu les guerres de l'éternel. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, le verset 28. Il dit, moi-même, mais ça m'offre. Dans le moment ça, ou même qui la caille, nous ne connaissons pas qu'à venir l'église. Mais est-ce qu'on a soutenu la guerre? Est-ce qu'on a soutenu la bataille là? Dans la prière. Pendant la prière, on a prié. Mais l'église là, il a besoin de contribution tout pour nous avancer. Parce que il y a quelques bagailles qui pour faire l'église là. C'est avec contribution tout chrétien yo. Pendant que on a prié pour nous qui réunis dans ton plan. Qui sont fait? Est-ce que Satan des amours, il retire au dans combat? Qu'on y a pas gain dîme encore, pas gain offrande encore, moun pa wè ou, ou reprendre Satan. Il mette bagay la difficile. Il y a tempête, tempête. Ce n'est pas tempête neige, non, c'est tempête coronavirus. Dans tempête ça, kap vinyan, est-ce qu'on désarme? Si ou pas désarme, si ou ap soutenir gaya jusqu'au bout, ou ap brave danger, c'est pour lever, faire la guerre, goumen, bataille, n'importe qui j'en saye, pas fait bac. Pas fait bac, en avant soldat, en avant, parce que nous devons aller à la recherche de notre destinée, de recherche de notre héritage, de nos enfants, de la paix. Satan prend mariage, lui prend petite, lui prend mari, lui prend madame, lui prend ami, et puis là de nous comme ça, et puis nous a des, nous sentis parfois à l'aise.
Jodia, nous besoin retourner pour nous corriger, ça besoin corriger pour nous lever ensemble dans un commun accord, debout pour la cette guerre. Le mal est grand encore, plus d'ennemis, plus de frères. Si ce chemin de mort reprend nos âmes, sont la prière, l'amour, persévérance. Que le Seigneur vous bénisse.